Ok. Les États-Unis sont dangereux pour tête, les premièrement, et ils sont dangereux pour le monde entier. Actuellement, là, sans pas exagérer les choses, les États-Unis ont menacé la vie de tout le monde dans le monde, là, juste parce que les gens ont un intérêt personnel que la défendre. Et l'administration américaine, la présidence américaine, là, c'est une administration qui est dangereuse que les gens gagnent. Même plus mal que George Bush. Peut-être que ça. Imaginez, une nation qui soit disant supposé chef de diplomatie dans le monde. Ok, qui soit disant appuyer la démocratie. Ou bien la démocratie. Ok? Qui t'a supposé diriger par exemple. Ok? Il t'a supposé un exemple pour toute nation. Et un bon exemple pour toute nation. Mais c'est lui-même qui a cherché problème, créé problème, formulé problème côté Paris dans le monde là. Nous, ouais, ça qui a passé en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas intervenu personnellement en Ukraine parce que ils connaissent qu'ils ont perdu. L'OTAN n'a pas intervenu en Ukraine personnellement. Ils n'ont pas mis des troupes en Ukraine personnellement parce qu'ils connaissent qu'ils ont perdu carrément. Et niveau de préparation que la Russie a gagné pour. Soutenir une guerre de n'importe qui niveau guerre son niveau extraordinaire yo vraiment préparé yo préparé à tout yo prêt à une guerre nucléaire les États-Unis actuellement là au moins au Pentagone actuellement là le Pentagone vraiment peut la Russie. Et il n'a pas montré ça, mais il y a des gens dans le Pentagone qui ont sens toujours dans la tête, malgré l'argument que les politiciens ont montré pour entrer en guerre okay? Face pour face avec la Russie. Il y a des gens qui l'ont pour conseiller de ne pas aller en guerre parce qu'on a perdu. Malgré toute tête. Ok? Mais nous still ouais que les États-Unis a cherché problème mettez sous sa gueule là toujours. Nous ouais aller Biden en Israël pour bas Israël yon carte blanche pour capable attaquer l'Iran. Nous ouais ça qui a passé au Kosovo avec la Serbie là encore y a aller chercher pour ouais si t'es qu'a créé un problème. Nous ouais encore kounya là. Les États-Unis voulaient tout bon créer un conflit, une autre crise qui a impacté tout le monde là, et spécialement les États-Unis avec la Chine en utilisant le Taïwan. Parce que faut me dire nous très clair parce que les États-Unis pas care de Taïwan, même j'ai pas care de l'Ukraine, ils juste servi avec l'Ukraine pour attaquer, pour antagoniser la Russie. C'est même bagarre là. L'IFM, ça fait vraiment. Moi, j'étais stupéfait le moins paquet de bon politiciens américains appuyer ça. Dame, ça a fait là. Nancy Pelosi. Imaginez, base relation États-Unis avec la Chine, les former son entendement que, son compréhension que, yo pas supposé entrer ou bien mélanger. Tête yo mêlé tête yo dans affaire intérieure la Chine ça également tout impliqué que pas entrer dans mitan la Chine et le Taïwan parce que c'est même pays censé c'est même leadership là le Taïwan totalement dépend économiquement totalement dépend de la grande Chine. OK. Et si il y a une guerre qui fait là,
c'est le Taïwan qui a perdu. C'est les mêmes qui ont sorti perdant. Parce que non seulement il a brûlé la relation qu'il a gagné ensemble avec la Grande Chine, et les États-Unis pas pour aider à reconstruire le Taïwan. Si le Taïwan finit de déchapper, même j'en l'Ukraine, a fait la Kounia, a passé la Kounia. L'Ukraine pas une histoire de succès. Mais où on pas qu'être bon politicien, on pile membre congrès américain a parlé avec arrogance, dit comme ça que Pelosi supposé visiter le Taïwan et que la Chine communiste pas gain droit dit ça un politicien américain supposé faire ni dit le côté le supposé visiter ou pas. Mais ça c'est l'arrogance, ça c'est totalement mépriser intérêt yon allié économique qui si grand qu'on dépend de lui tant que la Chine. Ça pas fait aucun sens du tout. Ça tout bagaille ça a prouvé que États-Unis vraiment vrai li leur arrivé pour le tomber. Parce que la ting ting tout bagaille tout monde. OK? Et gon le nan ting ting kon sa la jwenn une réponse qui pas bon pour lui. Imaginez ou yon guerre avec la Chine kounya la c'est un bagay que pièce moun pa vle. Même j'en pa tap jam souhaité gen yon guerre entre États-Unis avec États-Unis avec la Russie. C'est également même impact de guerre ça tap, c'est même bagay la k'ap fait entre la Chine et les États-Unis. Et les États-Unis économiquement a vraiment impacté. OK? En cas de un conflit ensemble avec la Chine. Tout ça américain observé avec 85% de ça américain. Si pour me pas dire 90% américain observé avec aussi la Chine y sorti. Monde là en général. Une grande majorité de ça qu'on observe au soutien en Chine, la Chine c'est un pays qui produit en pile spécialement pour les États-Unis. Donc il y a un conflit qui va le mettre qui potentiellement va le mettre sanctions sur la Chine, il va l'affecter citoyens américains, citoyens mais monde qui vit aux États-Unis en général. Ou pas jeune une gros crise économique, peut-être qui ça, peut-être yon administration, yon gouvernement qui sans caractère, sans colonne vertébrale, qui pas qu'on respecte a fait pays et a fait allier li. OK? Qui pas qu'à respecter ça, qui toujours joine que folle foure bouche dans sa pas gadel. Pour créer qu'on y a la souffrance plus pour moi économique et qu'on pas mettre la vie mon en danger qu'on a ou pas faire une guerre en plein monde pour mourir pour rien. Les États-Unis sont danger pour tête li. Regardez depuis qui les États-Unis gagnent en guerre mes amis. Afghanistan année passée, yo retire quoi Afghanistan après 20 ans parce que yo wè que rete yo lòt bò a pa rapote rien. Guerre du Vietnam, yo pa gagne ça. Vietnamien yo fané des Américains. I mean, ki guerre États-Unis jam gagne nan ville. Seconde guerre mondiale, ça contestable. Les États-Unis pas même gagné la deuxième guerre mondiale. On doit pas analyser les faits. Son coup intelligent le fait. D'ailleurs, les États-Unis entrent dans la guerre juste dans la fin de la guerre, s'il vous plaît. Ça est très contestable. Si un monde voulait contester ça, la ka fè le clair. Qui guerre les États-Unis jam gagné? Les États-Unis pas paré, il pas gain ressources nécessaires pour le faire guerre. Il seulement capable d'utiliser
les armes nucléaires ou un conflit ensemble avec la Russie, une guerre par procuration que vous avez fait, que vous pas même gain succès là-dedans, nous besoin commencer l'autre encore avec la Chine, deux grandes puissances militaires et nucléaires dans le monde là. Deux plus grandes puissances nucléaires dans le monde là et militaires. En termes de ressources, en termes de et bombes nucléaires, en termes de dans tout sens, les États-Unis pas paré pour ça. So à cause de où tout le monde l'a supposé souffrir. Pelosi t'a supposé chita de l'on côté. Madame n'a presque mouru, mes amis. Les filles millionnaires n'ont fait un paquet de bonnes corps dans le tête congrès américain. Ils servent avec position pour capable qu'on ait qui côté corps la voile couler et puis lui même pour positionner tête pour qu'il t'en fait corps la bien. C'est dans comme ça, madame n'a fini riche. Aucun monde n'est supposé tolérer des leaders qui mettent vie en danger, qui menacent vie juste pour rien. Il y a une guerre là, il y a des gens qui innocents qui mourent pour rien, dépensant pile l'argent que le pays n'a pas gagné, taxes pour le monter, en pile pauvreté pour le créer. Les États-Unis pas bénéficié de ça. La Chine représente pour lui. La Chine pas besoin des États-Unis, mes amis. Les Américains pas comprennent ça. Les Américains ont une fausse illusion en tête pour penser que la Chine dépend de lui économiquement. Non, 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 non. C'est le contraire. C'est les États-Unis qui dépendent de la Chine. Imaginez la Chine se fait en réunion là en mois de mai là se réunir ensemble avec les pays du BRICS ensemble discuter yon monnaie de réserve qui va remplacer potentiellement dollar américain. La Chine dépasse les États-Unis dans pile sens déjà. Je pensais que la Chine pas besoin des États-Unis. La Chine gagne pile l'autre marché captain dans le monde là. Les États-Unis seulement là pour créer problème dans le monde là. Créer division, créer problème. Les États-Unis sont menace pour le monde là. Mes amis, il faut nous comprendre ça. Nous ne pouvons jamais vivre en paix. Nous avons toujours des bruits de guerre. Même dans la Bible, il y a des rumeurs de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. Tout autant que les États-Unis existaient en tant qu'empire. En tout cas, nous avons suivi. Nous avons eu l'autre crise déclenchée encore là. Et toute image, toute évaluation a montré que potentiellement crise a fait. Parce que la Chine est assurée que les papes chita militaires, l'armée chinoise, les papes chita gardé ça a fait devant eux sans qu'ils ne prennent pas une décision contre ça. Visite Pelosi confirmée déjà, c'est pour demain, si Dieu veut, le 2 août. N'a pas gardé pour nous. L'église dans le 2 août déjà. N'a pas suivi. N'a pas souhaité ça pas fait. Mais n'a pas suivi. N'a pas seulement souhaité à ce point. Tête charge.